J'ouvre. 1, 2, 3. 1, 2. Non, c'est le contrôle, je peux faire quoi. Je tombe, bien entendu, je le travaille un peu. Et puis, ben, il vient chercher mon œil. Là, je vais vers l'épaule. Je pète le bras. Là, comme le bras. Je bouscule. Ça va, monsieur. Deux, je marche. Ici, je dis. Bon, je saisis l'épaule, je fais une rotation. Ok, même chose, trois. Deuxième ici, tiger, génital. Hein, s'il vient tout seul, j'ai envie de me faire plaisir là. Et les mains dans le dos, s'il vous plaît. Je dis pas s'il vous plaît, ça marche pas. Là, je viens chercher la main contraire en technique professionnelle. Arrivez là, je tourne. Contrôle, le bras là est contrôlé, le bras là est contrôlé avec les coudes. Ça le patient, il est en full contrôle. Voilà. 3, j'envoie, j'enroule, je me protège. Vous verrez, il y a une technique qui s'appelle la technique Van Gogh. Ouais, il est contrôlé. Celle-là, elle se travaille aussi comme ça. Il va chercher sa lame. Ok, dans le mouvement. Il va travailler. Il va chercher. Là, je la fais. Là, je tourne la lame vers ses burnes. Je renforce. Donc, on y va. On va essayer de partir de là. Ça va être là le plus dur. On s'en va en reverse. Je vais même travailler comme ça. Comme par hasard, j'ai aussi une gauche, j'ai aussi les jambes. Et là, on boxe, vous boxez avec votre main. C'est aussi un petit objet qui peut être intéressant à travailler. It's for you, Doug. Contrôle. Donc, menace corps. Il va peut-être pas partir. C'est important de faire le switcher, mais surtout que je suicide. Ne mettez pas vos mains sur la lame. Arrivez là comme il est fort. On va mettre le genou parce que sinon ça ne rentre pas beaucoup. Les mains sont levées, le cœur. Je vais sur le côté, j'ai un peu de difficulté. C'est du classique. Pas ça, c'est du classique. On oublie les genoux génitales. Je monte le kento dans les flottants. Très important. Boum. Je viens chercher le poignet contraire. N'oubliez pas, foot your ball, Brazil. Foot your ball!